Ding dong, qui est là? Eh oui, c'est nous. MTV Cribs Collection est de retour. Et on est sur la liste d'invités pour visiter les plus incroyables maisons au bord de l'eau. Notre passe VIP nous permettra d'entrer partout. Et nous rencontrerons des propriétaires déjantés. Vous serez toujours bienvenus chez nous. Vous voyez? De la simple baignoire extérieure installée au bord de la plage à l'île privée de 30 hectares au beau milieu des Caraïbes, nous visiterons les plus magnifiques maisons que vous ayez jamais vues. Alors détendez-vous, prenez un truc à boire. Et surtout, profitez de notre tournée des plus incroyables maisons au bord de l'eau. Bienvenue dans MTV Cribs Collection, magnifique maison à la plage. Écoute, faut que tu ailles. Allez, file. Notre prochain propriétaire est un véritable génie musical et le leader du groupe de hard rock Van Halen, Sammy Hagar. Au cours de son incroyable carrière qui dure déjà depuis 40 ans, Sammy a remporté un Grammy Award et a fait son entrée au Hall of Fame en 2007 aux côtés des autres membres du groupe Van Halen. Mais on raconte qu'il a laissé derrière lui sa vie de star du rock'n'roll et qu'il a quitté les États-Unis pour couler des jours paisibles au bord de la mer au Mexique. Waouh! La plage, le soleil, le Mexique. Il faut que je voie cette maison. Hey, hola! Bonjour, ça va? Sammy Hagar, ma femme Carrie. Bienvenue. Bienvenue dans notre pavillon sur la plage de Cabo. Si vous trouvez cet endroit ennuyeux, si ça vous blase, vous méritez des baffes. Allons directement voir la cave à tequila, où je range toutes les bonnes choses. Ça vous dit? Comme si ça suffisait pas d'avoir les énormes bouteilles de tequila de ma fabrique, j'ai aussi mes tonnelets perso. C'est une chouette guitare. Quand la boîte Cabo Wabo a ouvert, Michael Anthony, mon batteur David Lauser et moi, on a formé un petit groupe, Los Tres Gusanos. Quelqu'un m'a offert cette guitare avec le nom du groupe écrit dessus. Mike va faire son grand retour cette année et on pourra organiser une tournée de retrouvailles de Los Tres Gusanos. Tu comprends ce que je te dis? Entrez, je vous en prie. C'est ma chambre, la magnifique suite royale du pavillon Cabo. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette chambre, c'est le lit, dans un style un peu aztèque. On ne trouve pas de matelas. Je crois que c'est le plus grand lit qui existe. On doit avoir le plus grand matelas de Cabo. Et pourtant, il manque encore une trentaine de centimètres là. Et 15 sur les côtés. La première chose que je fais en me levant, c'est tout ouvrir. Pour laisser entrer l'air frais de l'océan. Et ensuite, je m'assieds pour l'admirer et l'écouter. C'est quelque chose de merveilleux. Retourne au lit. L'un des meilleurs moyens de transport de toute l'humanité. Le tout terrain. La meilleure façon pour moi de terminer une magnifique journée au pavillon Cabo, c'est de longer toute cette plage et m'éloigner de chez moi autant que possible pour ne pas qu'on me voie. Et une fois arrivé, je vais me jeter dans l'eau, car il n'y a rien de mieux pour finir la journée en beauté ici à Cabo. Paix, amour et bonheur. C'était chouette. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. C'était Sammy Hagar. Salut les amis. Yeehaw! Ouais!